Monsieur le chancelier de l'Institut, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Monsieur le vice-président de l'Académie des sciences, Madame et Monsieur les secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, Monsieur l'ambassadeur représentant de Taïwan en France, Madame le vice-ministre taïwanaise des sciences et des technologies, Monsieur le Président de l'Université d'Aix-Marseille, Mesdames et Messieurs les Présidents Directeurs Généraux des organismes et instituts de recherche, Mesdames et Messieurs les Présidents des Académies d'Agriculture, des Sciences d'Outre-mer, de Pharmacie, de Chirurgie Dentaire, chers donateurs, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, Mesdames, Messieurs. Nous procédons à la seconde remise des prix décernés par l'Académie des sciences cette année, et nous vous présenterons les lauréats des grands prix et des grands prix thématiques. C'est l'occasion pour nous de remercier les donateurs de ces prix et de leur donner l'occasion d'apprécier l'utilisation et la fructification de leur générosité. Ils peuvent être rassurés par l'aboutissement à moyen ou long terme d'une recherche qu'ils peuvent trouver bien souvent ésotérique et dont l'application peut leur sembler bien lointaine. Une recherche portant sur un gène essentiel du développement de la mouche du vinaigre et dont la mutation entraîne une encoche de l'aile amène à comprendre pourquoi le même gène exprimé et muté chez l'homme peut être responsable d'une affection grave des petits vaisseaux cérébraux. La recherche accélère grâce à la progression exponentielle des connaissances dans tous les domaines des sciences, sciences exactes, sciences du vivant, sans oublier les sciences humaines et sociales. Grâce à des progrès techniques spectaculaires et à des outils de plus en plus performants, il est possible de disséquer une à une les molécules vivantes, d'étudier in vivo une cellule dans toute son intimité et aussi d'explorer les planètes et d'en révéler leurs secrets. À l'issue de la présentation des lauréats, notre confrère François Forget, planétologue, nous emmènera en excursion sur Mars. Le chercheur est aujourd'hui un Homo numericus, une espèce nouvelle, tout autant assis devant son ordinateur que debout devant sa paillasse. Il partage et communique ses découvertes en temps réel avec ses collègues du monde entier par Internet, publie ses résultats par voie électronique, de préférence en sciences ouvertes, et est ainsi un maillon d'une chaîne numérique du savoir en train de se faire. La recherche est-elle donc un sprint éperdu, en accélération perpétuelle ? Je crois que la recherche s'apparente plutôt à une course de fond, de haut niveau, même s'il est nécessaire de savoir sprinter en temps voulu. L'application des découvertes de la recherche fondamentale requiert du temps. En recherche médicale tout particulièrement, le lendemain des chercheurs n'est pas celui des malades. Nous héritons des progrès des sciences fondamentales accomplis parfois il y a plusieurs dizaines d'années. On enregistre les premiers succès de thérapie génique après des années d'insuccès. Et déjà se fait jour la révolution technologique de la réécriture du génome par CRISPR, chez les plantes, les animaux, l'homme. Autant dire que le choix du jury Nobel n'épouse pas le même calendrier que celui des patients. Il faut donc savoir donner du temps à la recherche. À trop vouloir forcer le train de la course aux publications, aux indicateurs de performance et aux brevets, on risque de privilégier les résultats immédiats à l'originalité, à la réflexion et à la prise de risque. La recherche est cela. Le paradoxe de prendre un risque énorme à une époque où le besoin de sécurité est une pulsion plus forte que la libido, comme le dit Jean Delumeau. La recherche, c'est risquer de voir les choses autrement, remettre en cause l'acquis, imaginer de nouvelles solutions à des problèmes supposés résolus. Peut-être avez-vous vu le film Yi Yi du Taïwanais Edward Yang, où le petit Yang Yang photographie la nuque des gens
pour leur montrer la partie de la vérité de leur corps qu'ils ne peuvent voir. Le chercheur ajoute une petite pièce d'un puzzle immense à la somme des connaissances. Ce que Pérec décrit très bien dans La vie, mode d'emploi, je cite. On peut regarder une pièce d'un puzzle pendant 3 jours et croire tout savoir de sa configuration et de sa couleur, sans avoir le moins du monde avancé. Seul compte la possibilité de relier cette pièce à d'autres pièces. Considérée isolément, une pièce d'un puzzle ne veut rien dire. Mais à peine a-t-on réussi, au terme de plusieurs minutes d'essais et d'erreurs, à la connecter à l'une de ses voisines, la pièce disparaît, cesse d'exister en tant que pièce. L'intense difficulté qui a précédé ce rapprochement n'a plus de raison d'être, tant elle est devenue évidence. Les deux pièces miraculeusement réunies ne font plus qu'une, à son tour, source d'erreurs, d'hésitation, de désarroi et d'attente. Fin de citation. Donner du temps au temps, anticiper, voir ce que les autres ne voient pas encore. Il est essentiel que les politiques de recherche dans les domaines publics et privés acceptent de prendre des risques et qu'elles investissent sur le long terme, avec clairvoyance. Un peu à la manière du tableau de Magritte, intitulé « La clairvoyance », où le peintre peint un aigle, là où ne se trouve à côté de son chevalet qu'un œuf. Je vais passer maintenant la parole à nos deux secrétaires perpétuels, Pascal Cossard et Étienne Gis, pour la remise des prix. Je rappelle simplement que les candidats se lèveront lorsque leur nom sera prononcé, une fois annoncé le prix dont ils sont bénéficiaires. Premier prix qui est décerné aujourd'hui est le prix La Monica de neurologie. C'est un prix annuel qui est attribué à un scientifique travaillant dans un laboratoire français, quelle que soit sa nationalité. Le montant du prix est destiné en partie aux lauréats. Il permet aussi le financement d'un post-doctorant. Il est attribué cette année à Étienne Cochelin. Étienne Cochelin est directeur de recherche et directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, directeur du laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles à l'École normale supérieure de Paris. Il a consacré ses activités de recherche à l'étude des fonctions du lobe frontal du cerveau dans la prise de décision, le raisonnement et le jugement, et leur participation dans la pensée et le comportement de l'homme, y compris dans des situations complexes. Les travaux d'Étienne Cochelin s'appuient beaucoup sur l'imagerie fonctionnelle et les modélisations mathématiques. C'est ainsi qu'il a découvert le rôle du cortex frontopolaire, c'est-à-dire la partie la plus antérieure du cortex préfrontal latéral. Il en a décrit magistralement son architecture fonctionnelle et comment son évolution confère aux humains leur capacité unique de jugement basée sur des raisonnements contre-intuitifs. Étienne Cochelin s'est aussi intéressé à l'évolution phylogénétique de ce cortex préfrontal chez les mammifères. Ses travaux sur les fonctions mentales humaines sont de qualité exceptionnelle. Nous vous félicitons. Le prix La Monica de cardiologie, dont les caractéristiques sont similaires à celles du prix La Monica de neurologie, est attribué à Jean-François Arnal. Jean-François Arnal est professeur des universités en physiologie, praticien hospitalier au CHU de Rangueil à Toulouse. Il dirige l'équipe INSERM, optimisation de la modulation du récepteur aux œstrogènes en médecine, à l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires. Il s'intéresse à la biologie des vaisseaux et tout particulièrement aux agents naturels ou pharmacologiques susceptibles d'entraîner une vasodilatation. Il a développé au cours de sa thèse un modèle d'hypertension expérimentale en bloquant la production du monoxyde d'azote, un modèle qui est classiquement utilisé aujourd'hui.
Il a montré qu'il existait une diminution concomitante du cyclique GMP responsable de l'effet vasodilatateur du monoxyde d'azote. Après un séjour postdoctoral à Atlanta, chez David Harrison, il développe à Toulouse une recherche très originale sur les propriétés peu explorées des œstrogènes sur les vaisseaux, et en particulier la libération de monoxyde d'azote par les cellules endothéliales. Il aborde ainsi un vaste domaine, celui des propriétés multiples des œstrogènes naturels de synthèse et les œstrogènes de synthèse et les œstrogènes naturels sur d'autres organes que l'appareil génital, les vaisseaux, les os, la prolifération cellulaire, le système immunitaire et l'inflammation. Il montre que le récepteur nucléaire du 17-bêta-œstradiol ER-alpha est nécessaire aux actions de protection vasculaire de l'œstradiol. Il dissèque de façon très systématique, in vitro et in vivo chez des souris génétiquement modifiées, les différentes fonctions de ce récepteur. Il étend ses recherches à l'étude d'un autre œstrogène naturel produit par le foie fœtal, l'estétrol, qui, aux doses actives en contraception orale, n'a pas d'effet sur les facteurs de coagulation, alors qu'il conserve expérimentalement la plupart des effets vasculoprotecteurs de l'œstradiol. Ces travaux ont des répercussions extrêmement importantes, tant au niveau fondamental que clinique. L'amélioration de la sécurité d'emploi des traitements hormonaux au cours de la ménopause, l'utilisation et l'optimisation des effets du tamoxifène, un anti-œstrogène, et de l'estétrol comme protecteur de la paroi artérielle. Bravo Jean-François Arnal. Prix Alliance Fondation de l'Institut de France. Ce prix est décerné chaque année à un chercheur responsable d'une équipe de recherche médicale ou biomédicale française dont les travaux ont conduit ou peuvent conduire à des applications cliniques susceptibles d'accroître l'espérance de vie par des actions préventives ou curatives. Ce prix est destiné à favoriser la poursuite de travaux de recherche. Il est décerné cette année à Luis Quintana Murci, directeur de l'unité de génétique évolutive humaine de l'Institut Pasteur. Luis Quintana a accompli un travail de recherche majeur sur l'étude de la diversité du génome humain, aussi bien d'un point de vue fondamental que d'un point de vue appliqué à la compréhension de certains phénotypes d'intérêt médical, dont la réponse immunitaire. Ses premiers travaux en génétique ont permis de soutenir l'hypothèse d'une sortie côtière d'Afrique de l'homme moderne il y a 60 000 ans. Depuis cette étude, il a utilisé son expertise en génomique évolutive pour s'attaquer à des questions relatives à la diversité génétique et épigénétique de notre espèce, notamment à la façon dont la sélection naturelle, en particulier celle exercée par les agents pathogènes, a façonné la diversité du génome humain. Il a aussi étudié la contribution de la variabilité génétique de l'hôte à des différences de réponse immunitaire. Ces études sur l'évolution de la réponse immunitaire ont permis de soutenir la théorie hygiéniste selon laquelle certains allèles qui ont pu être avantagés dans le passé, car conférant un avantage lors d'une infection, seraient aujourd'hui responsables d'une susceptibilité accrue aux maladies auto-immunes et inflammatoires. Nous vous félicitons. Le prix Irène Joliot-Curie, femme scientifique de l'année. Le prix Irène Joliot-Curie est destiné à promouvoir la place des femmes dans la recherche et la technologie en France. Il vise ainsi à mettre en lumière la carrière de femmes scientifiques qui allient excellence et dynamisme. Il s'agit d'un prix accordé par le ministère de l'Enseignement supérieur et Airbus avec le soutien de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies. Il comporte trois catégories, femmes scientifiques de l'année, jeunes femmes scientifiques, femmes recherche et entreprise. La catégorie femmes scientifiques de l'année récompense une femme ayant apporté une contribution remarquable dans le domaine de la recherche,
par l'ouverture de son sujet, l'importance de ses travaux et la reconnaissance dans son domaine scientifique, tant au point national qu'international. Françoise Lamnaby-Lagarrigue sera représentée par sa fille, Dimna, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire des signaux et systèmes, UMR Centrale Supélec et Université de Paris-Sud. Françoise Lamnaby-Lagarrigue est une spécialiste de l'analyse et de la commande des systèmes. Elle a des contributions majeures dans la conception des commandes stabilisantes et robustes pour les systèmes non linéaires et pour les systèmes hybrides. Ses travaux ont tous une forte composante mathématique centrée sur les équations aux dérivées partielles non linéaires. Ils ont par ailleurs de nombreuses applications, notamment dans le domaine de l'énergie. Françoise Lamnaby-Lagarrigue a une grande visibilité internationale qui s'appuie sur un grand nombre d'articles, de conférences et de chapitres de livres. Elle a de plus assumé de nombreuses responsabilités d'animation et d'évaluation de la recherche, comités éditoriaux, lancement d'une revue de synthèse en automatique, comité de pilotage de conférences internationales, conseils scientifiques, comités d'évaluation, etc. Elle a aussi mis en place et dirigé plusieurs groupements de recherche européens en automatique et fondé en 2006 l'European Embedded Control Institute. Elle s'est investie dans la formation de beaucoup de jeunes chercheurs. Bravo à votre maman. Alors, le deuxième prix Irène Joliot-Curie est attribué à une jeune femme scientifique. Elle y met en valeur et encourage une jeune femme qui se distingue par un parcours et des travaux qui en font une spécialiste de talent dans son domaine. Il récompense cette année Sophie Postel-Vinet, qui est médecin-chercheur à l'Institut Gustave Roussy, où elle dirige une équipe ATIP Avenir depuis 2018, avec une labellisation ARC Recherche Fondamentale attribuée en 2019. Donc Sophie Postel-Vinet travaille sur l'oncologie et le développement de nouveaux médicaments. Dans le cadre d'un Master 2 dans l'équipe d'Olivier Delattre à l'Institut Curie, elle avait contribué initialement à un travail de génétique humaine portant sur le sarcome d'Ewing, travail qui a abouti à l'identification de l'OSI associée au risque de développer cette tumeur pédiatrique et qui fut publié dans la revue Nature Genetics en 2012. Après son internat, Sophie Postel-Vinet réalise une thèse de science au Cancer Research Institute à Londres, dans l'équipe d'Alan Ashworth, réputée pour ses recherches sur le cancer. Elle a réussi à démontrer que les inhibiteurs de l'enzyme PARP, des inhibiteurs très utilisés en cancérologie, étaient sélectivement toxiques pour les cellules de cancer du poumon, déficientes dans une enzyme de réparation de l'ADN, la protéine ERK1. Ce travail, réalisé par des cribles dans un modèle cellulaire développé à Gustave Roussy, a été suivi par des essais cliniques encore en cours, suivant un protocole qu'elle-même a décrit. De retour en France, elle a poursuivi ses recherches sur les cancers bronchiques causés par une déficience en ERK1, déjà citée, et a démontré l'interdépendance entre la réparation de l'ADN, qui est compromise dans ces cellules cancéreuses, et le métabolisme de la cellule, avec une ouverture vers de nouvelles cibles thérapeutiques. Elle a publié ce travail en 2018 dans le Journal of Clinical Investigation. Elle a reçu le prix des sœurs Olga et Lucie Fradis de la Fondation de France en reconnaissance de cette contribution importante. En 2018, elle a publié dans le même journal un article sur le développement de l'immunité aux inhibiteurs de PARP. C'est un très joli travail et nous vous félicitons. Alors le troisième prix, Irène Joliot-Curie, récompense la catégorie « Femmes, recherche et entreprise ». Il récompense une femme qui, à partir d'excellence scientifique et technique, s'est consacrée à développer des innovations utiles à la société en travaillant au sein d'une entreprise ou en contribuant à la création d'une entreprise. Ce prix est attribué cette année à Belinda Colling. Belinda Colling, comme son nom l'indique, a commencé sa carrière de recherche à Monash University
en Australie sur la physiologie et la physiopathologie des muscles. Elle a publié une série d'excellents articles dans des revues de très haut niveau, puis elle rejoint en 2009 l'équipe du docteur Jocelyn Laporte à l'IGBMC à l'IRCISH. Elle obtient un poste à l'INSERM en 2014. Elle continue sa carrière de recherche en travaillant sur les maladies neuromusculaires dégénératives, en particulier les myopathies centronucléaires, des maladies rares particulièrement invalidantes et sévères qui touchent environ 110 personnes par an en France, pour lesquelles aucun traitement n'est disponible. Alors, elle a mis en place une stratégie de recherche permettant d'aborder le problème sur plusieurs fronts qui vont des aspects fondamentaux aux essais sur l'animal. L'utilisation de techniques de modification des génomes par la technologie CRISPR-Cas9 déjà citée y joue un rôle de plus en plus important. Cette stratégie a déjà donné des résultats encourageants. Alors, Belinda Colling s'est très vite intéressée aux aspects thérapeutiques des maladies. Elle a obtenu 5 brevets, dont 2 ont donné lieu à des licences cédées à la société Dynacure, créée en 2015 pour développer cette approche. Et en mai 2018, il y a un an, un peu plus d'un an, Belinda Colling rejoint cette société au poste de directrice de la recherche et développement, tout en continuant à collaborer avec l'Institut de recherche où elle travaillait. La société a levé 47 millions d'euros pour financer des essais cliniques qui doivent commencer en fin 2019. Belinda Colling participe régulièrement à des réunions en Europe, aux États-Unis, avec des banquiers, des analystes financiers, des investisseurs et des agences de réglementation. Elle vient de recevoir le prix scientifique de l'Université de Strasbourg pour la création de cette société et pour son implication dans les collaborations entre le milieu académique et les entreprises. Nous vous félicitons. INRIA et l'Académie des sciences s'associent désormais pour distinguer les lauréats des 3 catégories des prix scientifiques, qui sont le Grand Prix, le Prix Jeune Chercheur et le Prix d'Innovation. Ce partenariat donne un nouvel élan au dispositif des prix INRIA en renforçant leur vocation première, promouvoir les contributions et succès de celles et ceux qui font avancer les sciences informatiques et mathématiques et qui participent ainsi au développement du monde numérique. Le Grand Prix INRIA Académie des sciences récompense un scientifique ou un ensemble de scientifiques ou une équipe de recherche ayant contribué de manière exceptionnelle au champ des sciences informatiques et mathématiques. Ces personnes doivent exercer leur activité dans le cadre d'un établissement français sans condition de nationalité ou d'affiliation. Ce prix est décerné cette année à Vincent Eward, professeur à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique à Sorbonne Université, qui est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'aptique, c'est-à-dire de l'utilisation du sens du toucher dans les interactions humaines avec des systèmes. Ses travaux ont permis de comprendre les fondements neurophysiologiques du sens du toucher, de concevoir des systèmes électromécaniques permettant d'en faire usage et d'aller jusqu'à la valorisation industrielle de ceux-ci. Le champ d'application des contributions de Vincent Eward est très vaste, allant de l'aide aux malvoyants jusqu'aux écrans tactiles des smartphones. Il a fait école en formant de nombreux jeunes chercheurs qui ont depuis essaimé et diffusé dans les mondes académiques et industriels une discipline dont il est l'un des fondateurs et des représentants les plus visibles sur la scène internationale. Le prix de l'innovation INRIA Académie des sciences d'Assosystèmes récompense un scientifique ou un ensemble de scientifiques ou une équipe de recherche ayant été particulièrement actif dans le domaine du transfert et de l'innovation dans le champ des sciences informatiques et mathématiques. Ces personnes doivent exercer leur activité dans le cadre d'un établissement français sans condition de nationalité ou d'affiliation. En qualité de partenaire industriel du prix de l'innovation, d'Assosystèmes est évidemment associé à la sélection du lauréat de ce prix. Le prix est décerné cette année à une équipe de chercheurs et d'ingénieurs formée de Loïc Estève, Alexandre Grandfort, Olivier Grisel, Bernard Thirion et Gaël Varocco pour leur développement du logiciel Scikit-Learn
qui est l'une des pépites d'INRIA portée au sein de l'équipe projet Pariétal. Scikit-learn est la seconde librairie d'intelligence artificielle la plus téléchargée au monde, derrière TensorFlow de Google. Son principal objectif est de donner accès à l'apprentissage statistique à la fois pour la recherche et pour la formation. Scikit-learn est utilisé dans le monde académique, mais également par de nombreuses entreprises. L'article de présentation de Scikit-learn, publié dans le Journal of Machine Learning en 2011, a eu près de 18 000 citations et les statistiques d'usage sont impressionnantes. Environ 700 000 utilisateurs référencés, 42 millions de visites du site web. Ce logiciel open source est considéré aujourd'hui comme la référence en matière d'apprentissage machine en Python, facile à utiliser et fiable. Bravo. Alexandre est en dernier. Le prix INRIA, Académie des sciences du jeune chercheur, récompense un ou une scientifique de moins de 40 ans, de toute nationalité et affiliation, exerçant son activité dans le cadre d'un établissement français et ayant contribué de manière majeure par ses activités de recherche, de transfert ou d'innovation au champ des sciences informatiques et mathématiques. Le prix 2019 est décerné à Maria Naya Plasencia, directrice de recherche au centre INRIA, équipe projet secret à Paris, dont les contributions scientifiques sont au tout premier plan des recherches internationales en cryptographie. D'une part, elle est connue pour avoir cassé un nombre impressionnant de primitives cryptographiques, notamment au concours international du NIST, le National Institute of Standards and Technology, pour la standardisation de nouvelles fonctions de hachage et pour avoir proposé des améliorations génériques de diverses familles d'attaques. D'autre part, elle est à l'origine de toute une branche de recherche, la cryptographie post-quantique à clé symétrique, où elle occupe une place de leader et pour laquelle elle a montré, contrairement à ce qui était admis, l'apport du calcul quantique avec un type particulier d'attaque par collision. Bravo. Le Grand Prix annuel IMT Académie des sciences a été fondé par l'IMT, Institut Mines Télécom, en partenariat avec la fondation Mines Télécom. Il est destiné à récompenser un ou une scientifique ayant contribué de manière exceptionnelle par un ensemble d'avancées scientifiques reconnues, ayant permis de faire progresser des problématiques issues du monde industriel ou de l'entreprise au service d'une économie durable. Ce grand prix est décerné à un ou une scientifique travaillant en France ou en Europe en liaison étroite avec des équipes françaises. Véronique Bellon-Morel, ingénieure générale des ponts, eaux et forêts à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture de Montpellier. Le prix est décerné à Véronique Bellon-Morel, dont le domaine de recherche est l'agriculture numérique. Ses travaux connaissent des valorisations importantes, comme la mesure du taux de sucre dans les fruits par spectrométrie infrarouge, la récupération des déchets organiques via le biométhane et le tri des plastiques. Depuis 2013, elle dirige le département écotechnologie de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Pionnière dans le domaine de l'évaluation de la qualité des sols, l'analyse du cycle de vie et l'empreinte environnementale d'un territoire, elle a fondé en 2013 l'Institut Convergence Agriculture Numérique qui fédère les recherches interdisciplinaires de 300 chercheurs. Félicitations. Le prix IMT Espoir est remis
à un scientifique de moins de 40 ans, ayant contribué par une innovation majeure à faire progresser des problématiques issues du monde industriel ou de l'entreprise au service d'une économie durable. Ce prix est décerné à un scientifique ou une scientifique travaillant en France ou en Europe en liaison étroite avec des équipes françaises. Guillaume Balarac, maître de conférence à Grenoble, actuellement en détachement, ou délégation plutôt, auprès de l'Institut universitaire de France. Le prix est décerné à Guillaume Balarac, dont les activités de recherche portent sur la physique de la turbulence. Il s'agit plus spécialement de l'analyse et de la modélisation des écoulements turbulents pour la prédiction et le contrôle de systèmes industriels et naturels. Ces travaux s'inscrivent dans un contexte de calcul intensif et d'apprentissage automatique basé sur des simulations de très haute résolution qui permettent de tirer pleinement profit des calculateurs les plus puissants. Il a ainsi proposé une nouvelle méthode numérique hybride s'appuyant sur une approche lagrangienne, c'est-à-dire dans laquelle on suit le mouvement des particules fluides, pour la réalisation de simulations dans des conditions d'écoulement inaccessibles aux méthodes traditionnelles. Ce travail est le résultat de recherches impliquant plusieurs communautés scientifiques, mécanique des fluides, physique, mathématiques. Ces travaux abordent aussi bien les aspects recherche fondamentale qu'appliquée et vont jusqu'au transfert vers des systèmes industriels dans des domaines tels que les énergies renouvelables, hydroéoliennes, les écoulements géophysiques et le génie des procédés. Bravo. Le prix franco-taïwanais. Dans le cadre de la convention de la Fondation scientifique franco-taïwanaise, signée entre l'Académie des sciences, Institut de France et le Conseil national des sciences de Taïwan, le 10 février 2003, un grand prix scientifique franco-taïwanais est attribué chaque année à des chercheurs français comme taïwanais ayant contribué aux recherches scientifiques intéressant les deux parties. Le ou les lauréats se doivent de susciter des échanges scientifiques entre les deux parties, ces dernières pouvant organiser des conférences ou des colloques dans cette perspective. François Tressart, professeur à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, au département de physique et responsable de l'équipe Biophotonics and Neuronal Networks au laboratoire Aimé Coton CNRS Orsay France, et Huan Cheng Chong, professeur au département de chimie de l'Université nationale de Taïwan et Distinguished Fellow de l'Institute for Atomic and Molecular Science de l'Academia Sinica. Le prix franco-taïwanais est décerné conjointement à François Tressart et Huan Cheng Chong pour leurs recherches à la frontière de la physique, la chimie et la biologie sur l'utilisation de nanocristaux de diamants fluorescents dans l'imagerie neuronale. François Tressart est un physicien, spécialiste d'optique quantique et de ses applications à la fluorescence des centres colorés dans les nanoparticules de diamants. Huan Cheng Chong a été pionnier dans le développement des nanoparticules de diamants fluorescents et de leurs applications aux domaines biomédicaux. François Tressart et Huan Cheng Chong collaborent depuis 2007. Leur recherche a abouti à la publication de plusieurs articles importants, ainsi qu'à de nombreux échanges de doctorants, post-docs et professeurs invités. Bravo. La bourse Pierre et Cyril Grivet est une bourse postdoctorale biennale destinée à un chercheur de moins de 35 ans en vue de promouvoir des travaux scientifiques
ou technique concernant tout aspect de l'interaction entre végétaux et atmosphère, sur Terre ou sur d'autres planètes et dans tous les autres domaines connexes à ceux que je viens de citer. Cette bourse a été donnée à Ilan Bourgeois, postdoctorant à la National Oceanic and Atmospheric Administration à Boulder, aux États-Unis. Le travail de thèse de Ilan Bourgeois à l'Université Grenoble-Alpes a concerné le traçage et la contribution du nitrate atmosphérique dans un bassin versant alpin. Qu'est-ce qu'un bassin versant alpin ? Eh bien, c'est un espace drainé par un cours d'eau et ses affluents sur un ensemble de versants. Toutes les eaux dans cet espace convergent vers un même point de sortie. Donc, il a utilisé une approche multi-isotopique innovante pour étudier des processus écologiques agissant à des échelles très différentes, depuis les organes de la plante jusqu'au bassin versant. Son travail se situe donc à l'interface entre chimie atmosphérique, biogéochimie et écologie. Il s'est intéressé à comprendre le devenir des nitrates atmosphériques dans un bassin versant alpin où l'azote est limitant pour le fonctionnement des écosystèmes. En utilisant l'anomalie isotopique du nitrate atmosphérique, il a quantifié et retracé sa contribution au stock d'azote contenu dans les aérosols, les dépôts humides et secs, le manteau neigeux, le sol, la végétation et les cours d'eau. Enfin, en développant son propre réseau de collaboration, il a été moteur et créatif dans l'analyse de la réponse génomique et protéomique des sols face aux dépôts de nitrates. Pour cela, il a mis en place un dispositif expérimental exhaustif, couplé à un protocole de collecte très rigoureux au col du Lautaret, où les conditions climatiques sont souvent difficiles. Il a publié très rapidement ses résultats dans des journaux scientifiques internationaux de très haut niveau. Nous espérons vous voir revenir. Bravo. Le Grand Prix Charles-Léopold Mayer. C'est un prix qui est décerné par une fondation. Et cette fondation a pour but d'aider au progrès scientifique et d'encourager les recherches fondamentales, particulièrement dans le domaine des sciences biologiques, biochimiques et biophysiques. Le prix est accordé une année sur deux, un scientifique français et l'autre année un scientifique étranger. Ce prix est un encouragement à intensifier les efforts vers de nouvelles recherches ou découvertes. De ce fait, le prix n'est pas attribué à des scientifiques âgés de plus de 65 ans. Il est attribué cette année à Sylvia Harber, professeur au Biocentrum de l'Université de Bâle. Le travail initial de son groupe a concerné les mécanismes et l'identification des gènes qui contrôlent la formation des connexions fonctionnelles des neurones motosensoriels de la moelle épinière. Elle a identifié les facteurs de transcription et les protéines sécrétées qui sont essentielles pour le guidage, la reconnaissance et la formation des synapses. Elle a poursuivi ses études en se focalisant sur la formation des circuits sensorimoteurs du tronc cérébral et en identifiant les noyaux spécifiquement impliqués et leur connexion avec les populations de neurones dans la moelle épinière. En raison de ce travail pionnier, Sylvia Harber est l'une des neurobiologistes les plus en vue à l'heure actuelle. La liste de ses publications d'une qualité exceptionnelle rapporte des découvertes fondamentales qui éclairent d'un jour nouveau les mécanismes moléculaires responsables de la spécificité de la connectivité neuronale. Ses recherches ont été déjà reconnues par de nombreuses distinctions. Elle est membre de plusieurs académies et c'est un grand honneur de vous avoir aujourd'hui. Bravo Sylvia. Le prix de cancérologie de la Fondation Simone et Sino Del Duca. Ce prix annuel est destiné à un chercheur de moins de 45 ans, français ou étranger, travaillant en France,
qui aura, par ses découvertes, permis une avancée significative de nos connaissances des mécanismes cellulaires conduisant à la transformation tumorale. Il est attribué cette année à Gaëlle Legube, directrice de recherche au CNRS, responsable de l'équipe chromatine et réparation de l'ADN au sein du Centre de biologie intégrative de Toulouse. Alors, Gaëlle Legube a réalisé un travail de thèse qui a permis de décrire pour la première fois, à haute résolution, la distribution du complexe de compensation de doses sur le génome de la drosophile à l'aide de technologies émergentes dans le domaine de la chromatine. Le complexe de compensation de doses permet d'égaliser l'expression de gènes entre les deux sexes. Par exemple, chez la mouche mâle, il active l'expression des gènes du chromosome X pour égaliser l'expression des gènes des deux X de la femelle. La première contribution majeure de Gaëlle Legube a permis une avancée significative dans la compréhension de ce mécanisme de compensation de doses. Depuis son recrutement au CNRS, elle a été rapidement identifiée comme une jeune scientifique pionnière dans le domaine de la réparation de l'ADN et de l'instabilité du génome. Ses contributions remarquables comprennent la description de la chromatine au site de cassure de l'ADN, et l'identification d'une nouvelle voie de réparation de l'ADN couplée à la transcription. Gaëlle Legube a déjà acquis une solide notoriété internationale et a prouvé sa capacité à développer une recherche indépendante, innovante, ambitieuse et de haute qualité. Nous vous félicitons. Le prix Guy Lazorte. Le prix Guy Lazorte est destiné, c'est un prix triennal, qui est destiné à récompenser un chercheur français ou étranger travaillant en France pour des travaux remarquables dans le domaine de l'innovation biologique et médicale. Il est attribué cette année à Nathalie Cartier, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Elle dirige une équipe à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris. Nathalie Cartier a été présidente de la European Society of Cell and Gene Therapy. Elle coordonne également le DIM, domaine d'intérêt majeur biothérapie de la région Île-de-France. C'est une spécialiste mondialement reconnue dans le domaine de la thérapie génique et des vecteurs viraux. Elle a tout d'abord contribué à la mise au point du premier traitement de la leucodystrophie métachromatique, une maladie génétique qui se déclenche le plus souvent pendant l'enfance et entraîne de sévères déficits neurologiques et moteurs. Ses travaux les plus récents ont mis en évidence une accumulation anormale du cholestérol, un des constituants principaux des membranes cellulaires, dans les neurones de patients atteints de diverses maladies neurologiques telles que la maladie d'Alzheimer. Son équipe développe actuellement un essai de thérapie génique visant à rétablir un taux normal de cholestérol et ainsi de freiner l'évolution de la maladie. Cette approche pourrait aussi s'appliquer à la maladie de Huntington. Bravo. Prix de Madame Victor Nourry. C'est un prix annuel de l'Institut de France, décerné sur proposition de l'Académie des sciences pour encourager le développement de la science dans ses manifestations les plus diverses. Seules pourront en bénéficier les personnes de nationalité française âgées de 45 ans au plus. Il est attribué alternativement dans les thématiques de la division des sciences chimiques, biologiques, médicales et leurs applications, c'est le cas cette année, et l'année prochaine dans la thématique de la division des sciences mathématiques, physique, sciences de l'univers et applications. Il est cette année attribué à Sébastien Granier. Sébastien Granier est directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, directeur de l'équipe pharmacologie et biologie structurale des protéines membranaires à l'Institut de génomique fonctionnelle de Montpellier. Sébastien Granier est reconnu pour ses travaux sur la structure moléculaire d'une famille de récepteurs maintenant classiques, les récepteurs
couplé aux protéines G. Il est surtout le leader mondial des travaux sur la structure, la fonction d'une nouvelle famille de récepteurs d'un grand intérêt physiologique, la famille progestine et adipo-Q récepteurs. Il a en effet élucidé la structure de récepteurs de l'adiponectine. L'adiponectine est une hormone régulant le métabolisme énergétique. Et ces récepteurs sont importants pour l'équilibre énergétique et la compréhension des mécanismes associés à l'obésité, comme par exemple le diabète. Sébastien Granier a cette année déterminé la structure du récepteur humain, ACR3, dont la mutation est responsable de plusieurs pathologies, et notamment une leucodystrophie progressive de l'enfant. Ce travail ouvre donc la voie à la recherche de médicaments impliquant le récepteur ACR3, en particulier certains cancers. Nous vous félicitons pour ce travail de biochimie structurale remarquable. Le prix Jacques-Louis Lyons, du nom d'un mathématicien célèbre qui était jadis président de notre compagnie. Le prix biennal, fondé par la Société de mathématiques appliquées et industrielles, la SMAI, le Centre national d'études spatiales, le CNES, et l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, INRIA, afin d'honorer la mémoire de Jacques-Louis Lyons. Ce prix récompense un ou une scientifique pour un ensemble de travaux de très grande valeur en mathématiques appliquées, effectués en France ou en étroite relation avec un laboratoire français, dans les domaines dans lesquels Jacques-Louis Lyons a travaillé. Équations aux dérivées partielles, théorie du contrôle, analyse numérique, calculs scientifiques et leurs applications. Maria Esteban, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire de recherche de mathématiques appliquées de l'Université Paris-Dauphine. Le prix est décerné à Maria Esteban pour son excellence en analyse fonctionnelle, sa contribution au problème des structures en interaction avec des fluides et surtout la caractérisation par des méthodes mathématiques issues de l'analyse non linéaire des états fondamentaux des fonctionnels d'énergie de la physique atomique relativiste. Ainsi, pour l'analyse du spectre des opérateurs de Dirac, ses recherches ont conduit à la mise en place de méthodes numériques robustes qui ont beaucoup amélioré les calculs des états fondamentaux de certains atomes. Elle a aussi été très active dans la communauté des mathématiciens appliqués, et je peux en témoigner, Maria. Elle a su donner beaucoup de son temps pour l'organisation de la recherche tant en France qu'à l'international. Bravo Maria. Le prix Onera. Il s'agit d'un prix annuel destiné à récompenser l'auteur français ou étranger, ou les auteurs dans le cas d'une équipe, de recherche conduite dans un laboratoire français pour les travaux remarquables en mathématiques appliquées et calculs scientifiques. Les candidats devront être âgés de moins de 50 ans. Nicolas Moès, directeur de recherche à l'École centrale de Nantes, membre de l'Institut universitaire de France. Le prix est décerné à Nicolas Moès, spécialiste de mécanique numérique, par la méthode des éléments finis. Il a abordé tous les domaines de cette discipline, mais apporté plus spécialement des contributions à une méthode d'éléments finis étendue, permettant de s'affranchir des restrictions dues aux fonctions de forme usuelle et dont il est, avec Ted Belichko, l'un des principaux promoteurs. Aux problèmes d'endommagement et de rupture, il a proposé des méthodes modernes incontournable dans les cas tridimensionnels, permettant de simuler l'avance des fissures sans remaillage. Ces travaux sont très cités dans le monde académique et appréciés et utilisés par le monde industriel. Félicitations.
prix Alexandre Ioannidès. C'est un prix qui récompense des recherches scientifiques utiles au bien public et dignes d'encouragement. Il est quadriennal dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire génomique. Il est attribué cette année à Mohamed Bendaman. Il est directeur, Mohamed Bendaman, et directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique à l'École normale supérieure de Lyon. Mohamed Bendaman a mis en œuvre des approches moléculaires, cellulaires et génomiques pour comprendre comment la fleur de rosier se développe et produit son parfum. Avec son équipe, il a obtenu les premières données de génomique concernant le rosier et l'assemblage du génome qu'il a réalisé est considéré comme l'un des trois meilleurs chez les plantes. Il a également réussi à identifier les mécanismes génomiques et épigénétiques associés à la formation des fleurs et mis en évidence une nouvelle voie de biosynthèse du parfum avec la découverte d'une enzyme, la Nudix hydrolase. Ces différentes découvertes ont été saluées par la communauté internationale et laissent entrevoir de nouvelles applications chez d'autres espèces, comme le fraisier en particulier. Bravo ! Le prix Jaffé, Fondation de l'Institut de France. Prix quadriennal couronnant les travaux de chimie pure ou appliquée, destinés au progrès et au bien-être de l'humanité. Rien que ça. Ont été retenues cette année les disciplines relevant de la biologie et des sciences mécaniques et informatiques. François Hilde et Stéphane Roux, directeurs de recherche au CNRS, au laboratoire de mécanique et technologie de l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Le prix est décerné conjointement à François Hilde et Stéphane Roux, qui renouvellent la manière de considérer la mesure dans les essais, puis les essais eux-mêmes, passage des essais homogènes aux essais non homogènes, en faisant un lien de plus en plus étroit avec le pilotage de l'essai, avec la description des pièces étudiées et avec leur modélisation numérique. Au-delà de l'obtention de champs de déformation, l'intégration complète, imagerie, calcul, permet maintenant l'identification quasiment directe des propriétés mécaniques des matériaux. Par leurs apports successifs, tant sur les développements logiciels que sur les différentes modalités d'acquisition d'images, les travaux de François Hilde et de Stéphane Roux ont contribué de façon essentielle à l'émergence d'une école française d'imagerie numérique en mécanique des solides, école maintenant en pleine expansion. Félicitations. Alors, le deuxième prix Jaffé, Fondation de l'Institut de France, qui concerne la discipline biologie et sciences médicales, est attribué cette année, conjointement, à Chantal Abergel, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directrice du laboratoire information génomique et structurale à l'Université d'Aix-Marseille, et à Jean-Michel Clavery, professeur des universités, praticien hospitalier, lui aussi à l'université Aix-Marseille. Ensemble, ils ont créé à Marseille le laboratoire Information génomique et structurale. Ce laboratoire est consacré à l'analyse génomique de bactéries pathogènes, à l'étude structurale de protéines bactériennes et plus récemment à celle de virus géants. La découverte des pandoravirus, caractérisés par la grande taille et la complexité de leur génome, l'isolement de virus géants dans le permafrost sibérien et la contribution originale à la réflexion sur la notion de virus de ces deux scientifiques ont eu un grand retentissement. Nous vous félicitons. Prix Michel Montpetit, INRIA. Prix...
prix annuel fondé par l'INRIA et destiné à récompenser un chercheur ou un ingénieur ayant accompli dans un laboratoire français des travaux de mathématiques appliquées, relevant en particulier de l'informatique, de l'automatique, de la robotique, du traitement des signaux. Le lauréat devra s'être fait particulièrement remarquer par l'originalité des idées de base et le caractère appliqué de ses travaux. Paolo Robuffo Giordano, directeur de recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, responsable de l'équipe INRIA Rainbow à l'Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires à Rennes. Le prix est décerné à Paolo Robuffo Giordano, dont les travaux de recherche sont basés sur une créativité exceptionnelle et une parfaite maîtrise de la commande des systèmes complètes qui en font un roboticien complet, combinant développement théorique et contribution dans des domaines applicatifs aussi variés que la téléopération, la robotique mobile, la robotique industrielle et la robotique aérienne. C'est dans ce cadre qu'il a en particulier proposé une architecture de contrôle partagé et décentralisé, fusionnant le cadre classique de la coopération bilatérale avec des résultats de premier plan sur l'estimation multi-robot et la localisation mutuelle. La conception mécanique et le contrôle de nouveaux drones quadriréacteurs suractionnés, capables de manœuvres jusqu'alors hors de portée des techniques existantes, lui ont conféré une visibilité internationale avérée. Félicitations. Le prix suivant est le prix Roy Vaucouloux. En fait, c'est une subvention biennale qui est attribuée à un chercheur travaillant dans le domaine des cancers et dans leur traitement. Cette subvention est attribuée cette année à Thomas Mercher, directeur de recherche et responsable d'équipe à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Donc Thomas Mercher s'intéresse aux leucémies myéloïdes de l'enfant, pardon, en particulier les leucémies mégacariocytaires de très mauvais prognostic. Il a découvert des fusions géniques, il en a fait l'analyse fonctionnelle in vivo et il a développé des outils permettant l'identification d'entités moléculaires de pronostics distincts et le suivi de la maladie résiduelle. Nous vous félicitons. Prix suivant, prix de Madame Jules Martin, née Louise Basset. C'est un prix biennal décerné en 2019 et attribué à des travaux dans les domaines de la biologie moléculaire, cellulaire et génomique. Il est attribué cette année à Vincent Gély. Donc Vincent Gély est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directeur de recherche au Centre de recherche sur le cancer à Marseille, dont il est également directeur adjoint. Vincent Gély recevoir ce prix pour ses recherches pionnières sur la chromatine et les télomères, et en particulier des recherches sur la protéine 7.1 qui ont été publiées dans les plus grandes revues internationales comme Science, Nature Genetics, etc. Elles ont permis de mieux comprendre le vieillissement cellulaire et le cancer. Très sincères félicitations. Le prix suivant est le prix Foulon, et malheureusement, le lauréat n'a pas pu venir dû à un deuil dans sa famille tout à fait récemment. Il est attribué à Henri Weimerskirch, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, au Centre d'études biologiques de Chizé à Villers-en-Bois. Ce prix donc est décerné à Henri Weimerskirch, spécialiste des oiseaux et des mammifères prédateurs marins des régions australes. Il a mis au point un système de télémétrie par satellite permettant de suivre des populations d'oiseaux marins, notamment d'albatros,
et d'étudier leurs fluctuations face au changement climatique et à la surpêche industrielle. Nous regrettons son absence. Le prix suivant est le prix du docteur et de madame Henri Lab. Et là encore, le candidat est absent, mais il est représenté par son fils Guillaume. J'ai sauté un prix. Étienne, vas-y. Bon, je continue. D'accord. Donc, le prix est attribué à Dominique Langin et représenté par son fils Guillaume. Donc, Dominique Langin est professeur des universités, praticien hospitalier à l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires de Toulouse. Dominique Langin, dès le début de sa carrière, a travaillé sur le métabolisme et la biologie du tissu adipeux et a toujours associé des études expérimentales in vitro et in vivo chez la souris à une recherche clinique menée chez l'homme. Il a montré le rôle des récepteurs alpha 2 et bêta 3 adrénergiques dans la mobilisation des graisses du tissu adipeux, l'importance de la lipase hormonosensible dans la résistance à l'insuline, découvert chez l'homme l'expression de protéines découplantes et montré que la régulation des gènes du tissu adipeux dépend plus du déficit énergétique du régime que de l'apport hypocalorique. C'est un très bel exemple de recherche authentiquement translationnelle dans un domaine d'importance croissante. Vous féliciterez votre père. Ouais. Vas-y. Excuse-moi. Le prix Paul Doisteau-Émile Bluté est un prix biennal destiné à un chercheur travaillant dans le domaine des sciences mécaniques et informatiques. Denis Sip, directeur de recherche au département aérodynamique, aéroélasticité et acoustique à l'Office national d'études et de recherche aérospatiale à Meudon. Le prix est décerné à Denis Sip pour ses recherches fondamentales sur les instabilités hydrodynamiques et leur contrôle qui ont un impact profond sur notre compréhension de la transition vers le chaos. Denis Sip a relevé avec grand succès un double défi. Il a inscrit ses travaux en tenant compte des priorités du secteur aérospatial, telles qu'elles sont perçues par le grand établissement de recherche finalisé auquel il appartient. Il a eu le souci constant de ne pas transiger sur la nature fondamentale de ses travaux, tout en faisant bénéficier ses recherches plus appliquées de ses avancées conceptuelles. Sa démarche exemplaire s'est avérée fructueuse, tant du point de vue de la compréhension physique des phénomènes que des applications. Bravo. Alors, le prix suivant est le prix Mémin Pelletier, Fondation de l'Institut de France. Ce prix est un prix annuel, décerné sur proposition de l'Académie des sciences, à un savant ou à un médecin qui, par ses travaux ou ses découvertes, aura le plus contribué à affranchir l'humanité des redoutables maladies qui l'affligent. Il est décerné cette année à Alexandre Puissant, chargé de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à l'hôpital Saint-Louis, à PHP. Le prix est décerné donc à Alexandre Puissant, actuellement lauréat d'un financement ATIP Avenir et d'une bourse ERC Starting Grant. Il vient d'obtenir un poste de chercheur INSERM. Durant toute sa carrière, il a travaillé sur les leucémies dans le but de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques. Pour cela, il a utilisé des techniques de criblage génétique à partir de données de génomique, de protéomique et de métabolisme. Il a ainsi découvert deux nouvelles cibles thérapeutiques prometteuses. Son niveau de publication est excellent. Nous vous félicitons. Le prix suivant est le prix d'Andrimont Bénicourt, Fondation de l'Institut de France. Ce prix annuel est décerné sur proposition de l'Académie des sciences pour récompenser des travaux de recherche sur le cancer. Il est attribué cette année à Daniela Wisniewski-Matic, directrice de recherche à l'Institut Curie à Paris. L'objectif général de l'équipe de Daniela Wisniewski-Matic est de comprendre comment les cellules
épithéliales interagissent avec leur micro-environnement pendant la migration cellulaire au cours de l'homéostasie, la situation normale, ou l'invasion tumorale. Elle utilise l'intestin comme modèle. Et son équipe a découvert que dans les cryptes, c'est-à-dire en bas des phyllosités, les cellules épithéliales intestinales se déplacent passivement en raison de la force de poussée générée par la division cellulaire. En revanche, le long des phyllosités, les cellules se déplacent activement en utilisant des protrusions cellulaires basales. Son équipe a aussi découvert que des fibroblastes associés au cancer utilisent des forces mécaniques pour remodeler la matrice extracellulaire, l'environnement extracellulaire, et stimuler l'invasion des cellules cancéreuses. Le travail de Daniela, qui utilise beaucoup l'imagerie par fluorescence, est d'une qualité remarquable. Bravo. Le prix Blaise Pascal du Gamny-Smaille, prix annuel fondé par le groupe thématique pour l'avancement des méthodes numériques de l'ingénieur, Gamny, et la société de mathématiques appliquées industrielles, Smaille, en hommage au grand savant que nous aimons tous, Blaise Pascal. Il est destiné à promouvoir les recherches en mathématiques appliquées aux sciences de l'ingénieur et de l'industrie. Il récompense un chercheur âgé d'au plus de 40 ans pour un travail remarquable réalisé en France sur la conception et l'analyse mathématique des méthodes numériques déterministes ou stochastiques utiles pour la résolution des équations aux dérivées partielles. Quentin Mérigot, professeur à l'Université Paris-Sud à Orsay, au laboratoire de mathématiques. Le prix est décerné à Quentin Mérigot pour ses recherches associant une profondeur mathématique indiscutable à une créativité numérique naturelle. Il forme une combinaison unique d'analyse, de théorie de la mesure, de géométrie discrète et d'algorithmique. Ces algorithmes pour le transport optimal sont à l'origine de nombreuses applications à l'industrie et aux sciences des données. Félicitations. Le prix Étancelin. Ce prix est un prix biennal destiné à provoquer, faciliter ou récompenser des découvertes précieuses à l'humanité, en premier lieu contre le cancer et les affections considérées comme incurables. Il est attribué cette année à Marcelo Nollmann, qui est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à l'hôpital Saint-Louis. Alors, Marcelo Nollmann a développé des approches innovantes d'imagerie. Celles-ci lui ont permis d'appréhender la structure fine de l'ADN, soit dans des contextes bactériens, soit dans des contextes eucaryotes. Une nouvelle approche permettant l'intégration de l'imagerie nucléaire et de la localisation d'hybrides ARN-ADN devrait révolutionner l'analyse des relations entre organisation des génomes et transcription. Très sincères félicitations. Le prix Edmond Brun, prix biennal alternatif destiné à un chercheur travaillant dans le domaine de la mécanique des fluides et de la thermique, ou dans le domaine de l'astronautique. Asna Zidani, professeur à l'École nationale supérieure de technique avancée, ENSTA de Paris, unité de mathématiques appliquées à Palaiseau. Le prix est décerné à Asna Zidani, spécialiste mondialement reconnu pour ses travaux sur les équations de Hamilton-Jacobi en contrôle optimal déterministe et stochastique. Ses contributions théoriques et numériques permettent de traiter efficacement des problèmes en aéronautique et en astronautique comportant des contraintes sur l'état, y compris des contraintes en probabilité, garantissant l'obtention de solutions globalement optimales. Toutes mes félicitations.
le prix Charles-Louis de Sauce de Fraissinet. C'est un prix quadriennal qui est destiné à récompenser les applications de la biologie moléculaire à la prévention ou à la guérison de maladies. Il concerne alternativement les maladies génétiques et le cancer ou les maladies infectieuses, ce qui est le cas cette année. Cette année, la lauréate est Emmanuelle Jouanguy, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à l'Institut Imagine, au laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses à Paris. Donc, Emmanuelle Jouanguy, avec une remarquable continuité, a identifié de nombreux gènes dont la perte induit une sensibilité extrême, soit à une bactérie, soit à un virus spécifique. Aux confins de la génétique, de l'immunologie et de la virologie, ses travaux démontrent l'extrême diversité des voies cellulaires de contrôle des microbes et l'existence de failles très spécifiques à chaque agent infectieux. Nous vous félicitons. Le prix Jeannine Courrier. C'est un prix triennal de biologie ou d'endocrinologie. En principe, ce prix ne sera pas divisé, mais il pourra être attribué à une équipe de 2 ou 3 chercheurs, à condition qu'ils aient publié ensemble. Les lauréats doivent avoir travaillé dans un laboratoire français et être âgés de 40 ans au plus dans l'année d'attribution du prix. Et cette année, il n'est attribué qu'à Cécile Charrier, qui est chargée de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure à Paris. Cécile Charrier a réalisé un travail de thèse qui a contribué à changer la vision que l'on avait de la synapse qui, de structure figée, s'est révélée hautement dynamique. Ses travaux actuels visent à explorer les voies moléculaires qui contrôlent le développement et la plasticité synaptique liées à l'évolution d'Homo sapiens. Bravo. Le prix GEL, c'est un prix quadriennal de biochimie et physiologie des hormones sexuelles, en particulier dans les domaines ayant trait à la fonction de reproduction des mammifères, des primates et des êtres humains. Là encore, le lauréat devra avoir moins de 45 ans. Le prix ne pourra pas être partagé. Il est alternativement donné par une commission de biologie humaine et sciences médicales ou sciences médicales. Cette année, le prix est décerné à Cécile Guigon, qui est chargée de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à l'Université Paris-Diderot à Paris. Cécile Guigon travaille sur le cancer de l'ovaire. Une femme sur 100 sera atteinte d'un cancer de l'ovaire. À propos de ce cancer qui résiste à la plupart des traitements médicaux, Céline Guigon a découvert un nouveau type de récepteur présent dans 90% d'entre eux, dont la simulation permet d'éviter la propagation des métastases, d'où l'idée de produire des agonismes de ce récepteur dans le traitement des cancers de l'ovaire, en plus des traitements classiques par antagoniste de l'hormone œstrogène. Nous vous félicitons. C'est beaucoup, hein, comme proportion, 1 sur 100. Le prix Louis-Daniel Beaupertuis. C'est un prix biennal qui est décerné à un savant français ou étranger pour récompenser des travaux d'épidémiologie ayant contribué, comme ceux de Louis-Daniel Beaupertuis, à améliorer le sort de l'humanité. Il est attribué cette année à Simon Cauchemez. Simon Cauchemez est directeur de recherche à l'Institut Pasteur, directeur de l'unité modélisation mathématique des maladies infectieuses. Simon Cauchemez applique des méthodes innovantes à l'étude de l'épidémiologie de maladies virales telles que grippe, Ebola, chikungunya, Zika, dengue, fièvre jaune, des maladies bactériennes ou des maladies parasitaires.
Les travaux de Simon Cauchemez ont pour objet de comprendre la propagation des agents infectieux émergents et de mieux prévenir et contrôler les infections. Ils ont une grande importance en santé publique. Félicitations. Alors, le prix Madeleine Lecoq, c'est un prix qui est attribué alternativement dans notre première ou notre deuxième division à une femme venant de soutenir sa thèse, inscrite dans un laboratoire propre ou associé au CNRS ou à l'INSERM. Et en 2019, ce prix est attribué par la commission thématique des prix de biologie moléculaire cellulaire génomique. Il le sera en 2020 à la commission des prix thématiques de physique. Donc cette année, la lauréate est Hélène Scher. Hélène Scher est chercheuse postdoctorante à l'Institut de biologie moléculaire des plantes à l'Université de Strasbourg. Donc Hélène a, pendant sa thèse, étudié une enzyme qui catalyse des modifications chimiques des ARN messagers. Cette enzyme est très conservée au cours de l'évolution des espèces chez les plantes et chez l'espèce humaine. Les modifications des ARN induites par cette enzyme ont des conséquences fonctionnelles importantes sur le métabolisme et la fonction biologique. Les travaux réalisés pendant sa thèse, pendant la thèse d'Hélène, ont été publiés dans de grandes revues internationales et, comme je l'ai dit, elle poursuit sa formation de chercheuse postdoctorante dans le laboratoire de Christophe Ritzenthaler à l'Institut de biologie moléculaire des plantes de Strasbourg. Bravo et bon postdoctorat. Alors, la médaille Louis Pasteur de la Fondation André-Romain Prévost est une médaille récompensée, destinée à récompenser un bactériologiste français pour des recherches ayant permis d'augmenter nos connaissances en microbiologie. Et cette médaille est décernée cette année à Philippe Glaser, directeur de recherche à l'Institut Pasteur de Paris. Philippe Glaser a eu un apport en microbiologie de tout premier plan et d'une richesse considérable. Il fut le premier à développer une méthode de sélection de bactéries recombinantes s'appuyant sur des interactions protéines-protéines. C'est ensuite sur lui que reposa la coordination de plusieurs grands programmes de génomique de l'Institut Pasteur, et j'en sais quelque chose. Tout aussi importantes sont ses observations sur l'évolution de certains pathogènes, ainsi que sur les mécanismes de l'émergence et la dissémination à l'échelle planétaire de souches antibiorésistantes de pathogènes humains majeurs. Bravo, Philippe, pour cette belle médaille. Louis Pasteur. Le prix Paul Doisteau-Émile Bluté de l'information scientifique est un prix annuel, alternatif, destiné à récompenser un ou plusieurs scientifiques dans le domaine de l'histoire des sciences et épistémologie. Il en est ainsi en 2019, ou un ou plusieurs auteurs d'une œuvre de vulgarisation. Il en sera ainsi en 2020. Suzanne Desbarba, astronome titulaire à l'Observatoire de Paris, et Dominique Bernard, maître de conférence honoraire de physique à l'Université de Rennes 1. Le prix est décerné conjointement à Suzanne Desbarba et Dominique Bernard. Suzanne Desbarba est récompensée pour son œuvre en histoire des sciences. Elle est considérée comme la principale autorité sur l'histoire de l'astronomie française et européenne. Consultée dans le monde entier, elle est l'auteur de nombreux articles qui restent des références incontournables. Dominique Bernard a contribué à promouvoir la culture des sciences à travers l'histoire de l'instrumentation scientifique. Il a ainsi rassemblé et exposé une importante collection d'instruments anciens provenant de l'Université de Rennes, proposant une vision dynamique de la muséologie. Il vient de publier un ouvrage remarquable sur la redécouverte de ces instruments qui représente une contribution significative dans le domaine de l'histoire des sciences. Félicitations à tous les deux.
C'est moi, pardon. Prix Germain et André Lequeux, Fondation de l'Institut de France. Prix quadriennal de l'Institut, décerné sur proposition de l'Académie des sciences, pour récompenser un chercheur ou une chercheuse de nationalité française, auteur d'une œuvre de vulgarisation. Daniel Kuntz, astrophysicien, directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique à l'Institut d'astrophysique de Paris. Le prix est décerné à Daniel Kuntz, passionné par l'astronomie et par sa diffusion envers le grand public. Il a beaucoup œuvré pour rendre accessible la science à tous. Il a créé la Nuit des étoiles, succès national annuel qui a rendu l'astrophysique très visible. Outre l'écriture de plusieurs livres, il s'est servi de tous les médias, comme des livres CD, Les oreilles dans les étoiles, des spectacles multimédia, des expositions, des interventions en milieu scolaire et organise des conférences grand public en soirée depuis 20 ans. Félicitations. Alors nous avons des prix un peu particuliers qui correspondent aux lauréats des grandes avancées françaises en biologie. Les grandes avancées françaises en biologie sont une initiative qui récompense 6 jeunes chercheurs auteurs d'avancées scientifiques majeures en biologie dans l'année ou dans l'année précédente, en 2018 ou en 2019. Les lauréats sont déjà venus présenter leurs travaux dans la grande salle des séances avant l'été. Et 3 d'entre eux sont présents, 3 malheureusement sont absents. Donc j'appelle Daria Bonazzi, son directeur de recherche c'est Guillaume Duménil. J'appelle Nicolas Opex, sa directeur de recherche c'est Marie Manceau. Les 4 autres lauréats sont Matteo De Chiara, Kitri Venot, Flavie Fauquel et Céline Drieux. Donc ce sont de jeunes chercheurs qui ont publié des travaux exceptionnels cette année. Dans le cas de Daria Bonazzi, il s'agissait de bactéries qui se comportent collectivement comme un liquide visqueux pour mieux infecter les vaisseaux sanguins. Et dans le cas de Nicolas Opex, il s'est intéressé à l'origine embryonnaire des rayures chez les animaux, différents animaux, les oiseaux, les mammifères. Voilà, nous les félicitons. Nous allons maintenant remettre une médaille. Je dois dire que je suis très jaloux parce que j'aimerais bien la recevoir. C'est la médaille Laplace. Laplace, celui qu'on appelait le Newton français, mathématicien, astronome, physicien et bien d'autres choses, un très très grand scientifique. Il est remis au premier élève de l'École polytechnique, Moïse Blanchard, né en 1999. Puis maintenant, nous allons remettre d'autres médailles à d'autres étudiants de l'École polytechnique tout aussi brillants. Il s'agit de la médaille Rivaud, qui est à la mémoire de Louis-Édouard Rivaud, qui fut élève de l'École polytechnique, né en 1820, mort en 1869. Ces médailles sont décernées aux 5 élèves sortis de cette année de l'École polytechnique et s'étant distingués par leur intérêt particulier pour la recherche scientifique et la qualité de leurs travaux. Donc, il y a bien sûr Moïse Blanchard, Samy Anabi, Tristan Oregan et Charlotte Richard. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons la médaille de l'École centrale,
grâce à un don de l'école, de l'association amicale de l'école centrale des arts et manufactures, une médaille est remise à l'élève classé premier de l'école centrale des arts et manufactures. La médaille est décernée cette année à Céline Leroy, classée première de la promotion 2019 de l'école centrale des arts et manufactures. Et enfin, depuis 1991, la Fondation a abrité Rougissart, Sarrazin, Vandevivert de l'Académie des sciences offre des bourses à des lycéens particulièrement remarquables à la condition qu'ils soient nés ou qu'ils aient un parent né dans le département des Ardennes. Voilà, ce qui n'est malheureusement pas mon cas. Nous avons une liste de six lauréats de cette bourse. Un seul est présent aujourd'hui et nous allons le féliciter. Il s'agit de Hulduz Canbekov qui est présent et qui est peut-être trop timide. Il est là ? Où est-il ? Ah, voilà. Ah, pardon. Excusez-moi. Bravo. Félicitations à tout le monde. Bravo. Peut-être que je prends la parole une petite seconde pour vous expliquer que depuis 1836, l'Académie des sciences publie un journal qui s'appelle Les comptes rendus de l'Académie des sciences et qui a décidé récemment de devenir un journal en sciences ouvertes, c'est-à-dire que dorénavant, il n'y aura ni abonnement, ni paiement pour l'auteur. Les articles pourront être lus sur la terre entière sans la moindre dépense. C'est une nouvelle impulsion pour cette revue historique. Nous remercions en particulier le CNRS pour son aide et je vous encourage tous, et en particulier les lauréats, à nous envoyer des articles pour nous expliquer pourquoi ils ont reçu leur médaille et leur prix. Merci beaucoup. Et maintenant, comme promis, nous aurons droit à une petite excursion sur Mars grâce à notre confrère François Forget que j'invite à venir au pupitre. Alors, François Forget est donc l'un des nôtres qui voulait devenir explorateur, mais aujourd'hui, il est planétologue. Après un post-doctorat au Centre national d'études spatiales sur l'étude de la planète Mars, il entre au laboratoire de météorologie dynamique, LMD, en tant que chargé de recherche CNRS. Il y crée l'équipe planétologie et est aujourd'hui directeur adjoint du LMD. François Forget modélise le climat des planètes du système solaire et extrasolaire en adaptant à ces mondes les simulateurs numériques qui sont utilisés pour prévoir les changements climatiques sur notre planète. Les modèles que développe son équipe sont précis, ambitieux. Il s'agit de recréer à partir des équations universelles de la physique la réalité dans ses moindres détails, insolation, circulation atmosphérique, turbulence. En appliquant à ces systèmes les simulateurs météorologiques utilisés sur Terre, les calculs doivent pouvoir prédire, en chaque point et à chaque minute, les phénomènes physiques qui s'y déroulent, comme la formation de nuages ou de tornades. Ces travaux ont aussi permis d'étudier le climat primitif ayant régné sur Mars et la Terre, d'expliquer la distribution de glaciers à la surface de certaines planètes ou encore d'estimer si certaines exoplanètes peuvent être propices à la vie. Il est impliqué dans de nombreuses missions spatiales de l'Agence spatiale européenne et de la NASA vers Mars, Pluton ou Vénus. Outre une meilleure connaissance de l'univers, ses recherches renseignent sur notre propre planète et contribuent à mieux comprendre les possibilités de vie ailleurs.
Alors, François Forget dit que la réalité a en quelque sorte dépassé ses rêves d'enfant, mais plus généralement, dit-il, je me rends compte que la recherche tout entière n'est qu'une grande exploration, et je pense que nous pouvons tous partager cette réflexion. Oui, la recherche est une exploration des terra incognita, qu'elle soit sur notre planète ou qu'elle soit dans d'autres planètes. Donc, je vous laisse parole à François Forget. Merci. Merci beaucoup. Merci aux chers lauréats, mesdames, messieurs, chers confrères. Donc, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de médecine, de mathématiques, un petit peu d'astronomie. Et à mon tour, je vais parler surtout d'astronomie, un tout petit peu de mathématiques et de médecine et de biologie, on va dire plutôt. Donc, l'idée, bien sûr, c'est d'aller ailleurs, de parler de la science et de la beauté des autres mondes. Alors, quand on parle des autres mondes, des autres planètes, bien sûr, on pense tout de suite aux planètes rocheuses, donc nos voisines, Vénus et Mars. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système solaire, vous avez de très nombreux mondes. Oups, je vais essayer de revenir en arrière, faire mon effet spécial à Georges Lucas. Ça part. Donc, vous avez de très nombreux mondes. Vous n'avez pas que nos voisines. Vous avez des dizaines de corps, 60 corps de plus de 300 km, dont des mondes. Vous avez les lunes de Jupiter, comme ici Ganymède, lune de Saturne, comme Titan. Vous avez les petites planètes, comme Mercure. Vous avez aussi d'autres lunes, Uranus, Neptune. Vous avez les astéroïdes qui sont proches de nous, celles qui sont au-delà de Neptune, ce qu'on appelle les objets transneptuniens. Et tous ces mondes sont réellement très, très intéressants. À chaque fois, on a des surprises. Et même certains des mondes tout petits sont très intéressants. Je citerai par exemple Encelade. Encelade, c'est une petite lune de Saturne et qui a été découverte et un peu révélée par la mission Cassini il y a quelques années. Encelade, donc, qui fait 500 km de diamètre. Vous la voyez là, elle est très très brillante, couverte de glace d'eau. Et dans l'hémisphère sud, on voit des espèces de rayures. Et quand on regarde attentivement, on a découvert que jaillissaient là des espèces de grands geysers qui alimentent l'espace autour. Parce que, tout simplement, il y a des failles, et sous cette glace, on a pu démontrer qu'il y avait un océan de liquide qui fait que ce petit monde qu'on pourrait poser sur la Bretagne est un des objets les plus intéressants du système solaire qu'on a envie d'aller explorer pour voir ce qu'il y a là-dedans. On sait qu'il n'y a pas que de l'eau, il y a d'autres molécules, il y a peut-être une richesse extraordinaire, peut-être pas des poissons, mais pourquoi pas. Alors évidemment, vous avez entendu que je suis dans un laboratoire qui s'appelle Laboratoire de météorologie dynamique, à l'Institut Pierre-Simon Laplace, pour faire plaisir à Étienne. Eh bien, bien sûr, je m'intéresse particulièrement aux mondes qui ont des atmosphères, qui ont des climats. Alors, il y en a 10 dans le système solaire. Vous connaissez bien sûr la Terre. Il y a évidemment les planètes géantes qui ont des atmosphères tellement épaisses qu'il n'y a même pas de surface. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a bien sûr Vénus, Mars. Il en reste 3. C'est un quiz. Est-ce que vous les connaissez? Les 3 qui restent, il y a Titan, qui est un extraordinaire monde, un satellite de Saturne, qui possède une épaisse atmosphère d'azote avec un cycle hydrologique de méthane, avec des lacs et des mers, des méthanes et d'éthane. Vous avez Triton, qui est un satellite de Neptune, qui possède une fine atmosphère d'azote, mais avec des brunes, il y a des geysers aussi sur ce monde-là. Et puis enfin, Pluton, qui a été révélé par la mission spatiale New Horizons en juillet 2015, une mission à laquelle j'ai eu la chance de participer. Alors Pluton a vraiment une atmosphère. La voilà, on la voit particulièrement bien quand on regarde Pluton à contre-jour, ce qu'a fait New Horizons. Et on voit donc cette très belle atmosphère d'azote, fine atmosphère d'azote avec un petit peu de méthane, et qui en fait, l'atmosphère est remplie de brumes, de molécules organiques, de suie organique qui donne cette image bleutée. Alors Pluton en fait est un monde tout à fait incroyable, il est recouvert de toutes sortes de molécules, et en particulier vous avez des immenses, un glacier de... ici c'est un énorme glacier d'azote, une espèce d'océan d'azote, réellement froid, on l'a nommé Sputnik Planitia, à moins de 235 degrés, vous avez plus d'azote sur Pluton quasiment que sur Terre, mais l'essentiel est gelé, et tout ça donne des paysages extraordinaires, puisque vous avez donc cette atmosphère d'azote remplie de brume qui forme des fines strates, et puis vous avez ces glaciers d'azote qui coulent vers le glacier principal et qui sculptent les montagnes, vous avez donc un peu comme dans les Alpes, au Groenland, à Yosemite, vous avez des falaises partout sculptées par ces glaciers à moins de 135 degrés. Donc ça, c'est un extrême qu'on trouve dans le système solaire. L'autre extrême que je pourrais citer, bien sûr, c'est Vénus. Là, vous avez une très épaisse atmosphère. Voici des photos
de la surface de Vénus, 90 bars essentiellement de CO2, donc un effet de serre énorme. Vous savez tous que le CO2, le dioxyde de carbone, c'est un effet de serre très puissant. Et donc, il fait 450 degrés à la surface. On a très peu de photos de la surface, juste ces quelques images prises par des sondes soviétiques. On n'a pas d'images de la NASA. Et parce que c'est quand même pas facile d'explorer le système solaire, et j'y viens. Alors, pour apprendre tout cela, les télescopes n'ont pas suffi. Il a fallu y aller, envoyer des sondes spatiales. Là, je vous illustre ça avec une des premières sondes sur lesquelles j'ai travaillé de manière très intense, la sonde Mars Express, la première sonde spatiale européenne qui s'est mise en orbite autour d'une planète. Donc, c'est un lancement de nuit magnifique, c'est très beau les lancements de nuit. Là, on est ici à Baïkonour. Et puis, depuis les années 60, on a progressivement survolé ces différents mondes. On a pu se mettre en orbite autour de certains, se poser à la surface, et bientôt, nous commençons maintenant à rapporter des échantillons. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que cette exploration spatiale n'est pas facile. Et pour l'illustrer, je vais vous raconter un peu mon expérience personnelle. Alors, j'ai commencé dans les années 90. J'ai eu la chance d'aller travailler. Alors, j'ai commencé comme ingénieur. J'ai mis des années à comprendre que le vrai beau métier dans cette affaire, c'est d'être chercheur. Donc, j'ai commencé comme ingénieur. J'ai eu la chance de travailler à la NASA dans une équipe qui se consacrait notamment à la préparation de cette mission énorme, très ambitieuse, qui s'appelait Mars Observer, que vous voyez là en développement. Et en août 93, la sonde arrivait vers Mars. Elle a préparé sa mise en orbite. Quand on se met en orbite, il faut freiner, il faut rallumer les moteurs. On a préparé le rallumage des moteurs. Il y a eu une explosion, on a perdu la sonde, pas de nouvelles. Bon, ensuite, je suis rentré en Europe, parce que j'ai compris, donc j'ai commencé une thèse. Et dans le cadre de ma thèse, j'ai pu un petit peu m'intéresser à une mission très, très ambitieuse aussi, une mission russe et européenne, la mission Mars 96, qui a été lancée en novembre 96, le mois où j'ai passé ma thèse. Et, je vais faire vite, elle a fini dans l'océan Atlantique. Pacifique. J'ai pris du galon, je suis devenu officiellement membre de, on appelle ça co-investigateur, de la mission Mars Climate Orbiter de la NASA. Et le 23 septembre 1989, c'était la mise en orbite. J'étais au Jet Propulsion Laboratory, là où ça se passe, le centre de la NASA en Californie. Et vous connaissez peut-être cette histoire. La sonde est passée à 40 km de la surface, au lieu de 240 km. Elle a brûlé. Ce qui s'est passé, c'est que on raconte souvent ça au lycée, il y a eu une erreur d'unité. La société Lockheed Martin a fourni les instructions de commande pour le moteur de correction de trajectoire en pounds, alors que la NASA travaille en unité système international, donc en newton. Résultat, 40 km, on a brûlé. Bon, très vite, un peu plus tard, quelques mois plus tard, la mission Mars Polar Lander, qui devait se poser près du pôle sud, en décembre 1999, on n'a pas eu de nouvelles, elle s'est écrasée, certaines. Alors, je suis encore monté un peu, je suis devenu un des responsables de la mission Mars Express. Mars Express, c'est un immense succès. Le satellite lui-même, très grand succès. Mais elle portait, vous savez, sur le côté, vous voyez cette petite capsule, c'est un atterrisseur essentiellement anglais qui s'appelait Beagle 2. Beagle 1, c'est le bateau du capitaine Fitzroy et de Darwin. Vous voyez l'ambition des Anglais. Alors, Beagle 2 s'est posé, s'est pas écrasé, elle a ouvert la moitié de ses panneaux solaires et puis on n'a jamais pu communiquer. Bon, voilà, je vais aller très vite. Énorme mission, Phobos Grune, 2011, 17 tonnes vers Mars. Elle est aussi au fond de l'océan Pacifique. Et puis plus récemment, une mission dont j'étais vraiment un des responsables, sur laquelle j'ai énormément travaillé, le Lander Schiaparelli de l'Agence spatiale européenne. On voulait démontrer que l'Europe enfin était capable de se poser. Nous sommes en octobre 2016. Elle s'est écrasée pour des raisons très énervantes que je ne vais pas détailler. Alors, que conclure ? Alors, je dois avouer que quand je raconte ça, certaines personnes du public, et parfois mes collègues, se demandent si je ne serais pas un peu porte-malheur. Un peu. Mais évidemment, non. Non, la réalité, c'est, je partage ça avec tous mes collègues, c'est que l'exploration spatiale est difficile. Si on prend une des grandes phrases fondatrices de cette affaire, John Kennedy, avec son accent de Nouvelle-Angleterre, « We chose to go to the moon, not because it is easy, but because it is hard ». C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que c'est très difficile de préparer à l'avance les différentes étapes du fonctionnement d'une sonde spatiale. On ne peut pas le simuler. Il faut tout, malgré ce qu'on appelle le contrôle qualité extrême qu'on essaye d'y apporter, la moindre petite erreur de conception est fatale. Et c'est vraiment difficile. Et donc, quand on voit ça, on peut se poser la question, si vous voulez, tout ce travail, ce sont des millions d'heures de travail d'ingénieurs, de chercheurs, de techniciens qui partent en fumée,
des centaines de millions d'euros, voire parfois plus. Et quand je suis ici, il y a beaucoup de médecins qui travaillent à des sciences réellement utiles, comme la recherche contre le cancer, et on peut se demander, est-ce que ça vaut le coup ? Pourquoi étudier les autres mondes ? Alors, je ne vous cacherai pas que le premier but de l'étude des autres mondes, tel que nous la pratiquons, c'est vraiment faire la recherche fondamentale et de l'exploration. On a derrière la tête, bien sûr, de comprendre d'où nous venons, nos origines, de mener l'enquête sur la possibilité d'une vie ailleurs, et puis d'utiliser tous ces mondes comme des laboratoires de physique extraordinaires sur lesquels nous pouvons tester notre compréhension de la physique et des sciences des planètes. Il y a un aspect un peu plus utile, qui est de mieux comprendre notre Terre, quand même. L'idée, c'est un peu comme en médecine, on va s'intéresser à la biologie, aux autres animaux, pour mieux comprendre l'homme. Je crois que dans l'histoire, ça a été très utile. Et donc, on pratique ce qu'on appelle une planétologie comparée. Donc, je vais filer une métaphore avec la zoologie. Donc, qui est avec pour objectif d'étudier les autres planètes pour aider à la compréhension de notre planète. Alors, ça prend plein d'aspects. Le premier, tout simplement, c'est de généraliser les concepts, de placer les attributs de notre planète dans un contexte plus large, un peu comme en médecine, vous voyez. Je pourrais citer plein d'exemples, évidemment. Si je file ma métaphore, on peut citer en particulier Mars, parce que Vénus est un monde vraiment très différent de la Terre, je ne parle pas des planètes géantes, donc c'est une espèce de grosse pieuvre, un calmar, alors que Mars ressemble vraiment à la Terre. Il tourne à la même vitesse, atmosphère fine, mais assez transparente, cycle de saison comparable, et tout ressemble sur Mars au cycle, au moins au niveau météorologie, à la Terre, ce qui fait que Mars est un peu comme un chimpanzé et nous permet vraiment de tester nos concepts, notre compréhension. Vous retrouvez là, par exemple, vous voyez là ici une dépression avec un front qui soulève des poussières, elle abandonne une calotte polaire de neige, donc c'est de la neige carbonique, un peu comme dans les extincteurs. Mais vous avez là, on retrouve aussi la notion de vent alisé, de vent de mousson, de cellules de Hadley, de jet stream, tout se retrouve sur Mars et on peut tester vraiment notre compréhension de ces concepts et élargir un peu notre vue. Autre aspect de cette enquête, c'est en faisant cela, on peut étudier des objets qui sont subtils sur Terre mais majeurs ailleurs. Là aussi, il y a plein d'exemples. Là, je vais aller sur Vénus. Alors évidemment, sur Vénus, on pourrait mentionner l'effet de serre. Je vous ai dit, vous avez des centaines de degrés d'effet de serre, énormément de dioxyde de carbone, mais bon, ça, c'est un peu évident. Un aspect intéressant sur Vénus, c'est que il y a d'autres molécules dans cette atmosphère, et dans les années 70, on a réalisé qu'il y avait du chlore, beaucoup de chlore. Ça a motivé beaucoup d'études de ce qu'on appelle photochimie, des mesures en laboratoire, de développement de modèles, à une époque où, sur Terre, on s'en fichait complètement. Il n'y a presque pas de chlore dans l'atmosphère de la Terre. Et puis, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème sur Terre, il y avait un problème de l'ozone, le trou dans la couche d'ozone. Et lorsqu'on a mené l'enquête, on s'est rendu compte que c'était lié au chlore, au chlorofluorocarbone, dans la nuit polaire des régions, en particulier Antarctique. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait mener l'enquête. Et là, les chercheurs qui travaillaient sur le sujet, qui venaient en particulier de Vénus, comme en particulier Finn, où son nom m'échappe, et puis bien sûr Molina, Rowland et Crutzen, ce sont les lauréats du prix Nobel de chimie quelques années plus tard, qui ont résolu le problème de la couche d'ozone en utilisant notamment des mesures et des modèles qui ont été développés pour Vénus. Alors bien sûr, ça inspire de nouvelles idées. Là, je vous ai cité un exemple, je pourrais en citer plein. Pour changer un peu, je vais mentionner Titan. Titan, donc, c'est la lune de Saturne. Et vous voyez qu'on ne voit pas la surface, elle est complètement obscurcie par une épaisse couche d'aérosol organique, donc des suies qui sont issues de la photochimie du méthane et du rayonnement ultraviolet du Soleil. Et là, on a une chimie organique extrêmement complexe, vraiment impressionnante. Si on n'avait pas Titan, on ne l'aurait pas imaginé. Et à présent, l'étude de Titan inspire d'autres études pour, par exemple, comprendre le passé de la Terre. On pense que sur la Terre primitive, il y avait plus de méthane, il y avait des bactéries méthanogènes qui fournissaient beaucoup de méthane à l'atmosphère, et on a pu connaître une période sur Terre où la Terre avait cet aspect, couverte par une brume organique. Et j'ai des collègues dans mon institut qui simulent ça en laboratoire. Ils ont commencé sur Titan et ils essayent maintenant de comprendre le passé de la Terre. On peut aussi obtenir des données non disponibles chez nous. Alors, je n'ai pas trop trouvé de métaphore intéressante. Je me suis dit que la génétique, on pouvait obtenir des choses sur les mouches qu'on ne peut pas faire avec les hommes. Donc, là encore plein d'exemples. Un exemple que j'aime bien sûr, c'est lié à Mars. Mars, c'est la planète très active dont je vous ai parlé un instant. Mais si vous regardez une carte topographique de Mars,
Vous voyez, donc là, en bleu, ce sont les plaines, en rouge, les hauts plateaux. Si vous regardez les hauts plateaux, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on voit que tout ça est couvert de cratères. Ce n'est pas ce que l'on voit sur la Terre. Par contre, c'est ce qu'on voit sur la Lune. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit simplement que toutes ces surfaces sont extrêmement anciennes, sont très cratérisées. Elles remontent à plus de 3, voire 4 milliards d'années. Et ce qui est intéressant, c'est dès qu'on regarde attentivement dans ces zones cratérisées, eh bien on voit que partout, il y a des lits de rivières, aujourd'hui asséchés, qui ont coulé là. On a pu démontrer que c'était de l'eau, on a trouvé la minéralogie qui est associée, des argiles, des sulfates hydratés, etc. Et on pense à présent qu'il y a 3,5-4 milliards d'années, Mars est une planète complètement différente, avec une atmosphère certainement plus épaisse, et des lacs et des rivières, sur des longues durées. Alors, on peut se poser la question, puisque dans notre compréhension, la condition nécessaire pour la vie, c'est l'eau. La vie est apparue à cette époque-là sur la Terre, donc on a envie de mener l'enquête, de savoir si la vie est apparue sur Mars. Alors, on aimerait bien envoyer des biologistes. Pour l'instant, ce n'est pas encore possible. En attendant, on envoie des robots géologues comme Curiosity, dont vous avez tous entendu parler, ce robot de la NASA sur lequel de nombreuses équipes françaises travaillent. Et Curiosity, par exemple, explore un ancien cratère qui a certainement été autrefois un grand lac profond avec des milliers, des centaines de mètres de sédiments lacustres. Et Curiosity mène cette enquête et a montré qu'il y a vraiment eu là, pendant très longtemps, un lac d'eau douce qui était propice à la vie. Et on a envie de mener l'enquête, de trouver des informations qu'on ne peut pas trouver sur Terre. On ne peut pas perdre. Alors évidemment, si on trouve un coquillage bientôt, on aura mené l'enquête assez loin. Mais s'il ne s'est rien passé du tout, si on arrive à démontrer qu'il ne s'est rien passé, on a eu des centaines de millions d'années avec de l'eau et des lacs, une chimie biologique n'a pas démarré, pourquoi? Au contraire, on va peut-être trouver les étapes intermédiaires entre le non-vivant et le vivant qui manquent complètement sur Terre. Sur Terre, la biologie a tout envahi et dès qu'on trouve des molécules biochimiques, elles sont plus souvent issues d'une activité biologique extrêmement élaborée. La moindre bactérie sur Terre est extrêmement développée, avancée, évoluée, et ce n'est pas le cas peut-être de ce que l'on trouvera sur Mars. Ça nous permettra de répondre, de trouver des informations qui ne sont pas disponibles sur Terre. Voilà, j'ai presque terminé. Le dernier point important, notamment dans mon équipe, c'est que, je continue à filer ma métaphore, on va pouvoir tester des outils et concepts avec un cas intéressant. Pour nous, c'est que le test des modèles numériques de climat sur les autres planètes. Alors l'idée est la suivante, bien sûr, sur Terre, c'est qu'il est très important d'essayer de pouvoir simuler dans les ordinateurs le climat, le système climatique de la Terre, en se basant uniquement sur des équations universelles, comme on l'a dit tout à l'heure. La raison, c'est qu'on veut pouvoir comprendre ce qui va se passer dans 100 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, parce qu'il y aura nécessairement plus de dioxyde de carbone que maintenant, c'est inexorable, et on a besoin de simuler cette évolution. Alors, il n'y a aucun doute sur le fait que le climat va être bouleversé, va changer, il n'y a pas besoin d'un modèle numérique ultra sophistiqué pour le faire. Par contre, si vous voulez savoir exactement ce qui va se passer, est-ce que l'Inde du Nord va être plus humide, ou au contraire va devenir un grand désert, il faut des modèles sophistiqués. Et pour ça, il faut les tester et les corriger pour gagner de la confiance. Alors, la difficulté, bien sûr, c'est que ça paraît impossible. On se dit, un système climatique, ce sont des millions de degrés de liberté. Il faut coupler des phénomènes physiques qui vont de l'échelle planétaire à l'échelle microscopique. Comment c'est possible? En réalité, ce n'est pas si difficile. Parce que, d'ailleurs, l'image, le film que je vous montre là, ce n'est pas des observations satellitaires, c'est issu d'un modèle. Tout simplement, les phénomènes physiques qui régissent cela sont issus d'un nombre limité d'équations différentielles qu'on a appris à résoudre, notamment grâce aux travaux de peut-être certaines personnes dans la salle ou leurs prédécesseurs. Et donc on peut ambitionner de résoudre ça, on le fait aussi sur Mars, sur les autres planètes. Le plus souvent, ça marche bien, parfois on a des surprises, ça ne marche pas du tout, on regarde pourquoi, on découvre qu'il y a une erreur, qu'il faut compléter l'équation, on remet ça sur Terre et ça permet d'améliorer le modèle terrestre, c'est arrivé à plusieurs reprises. De nos jours, dans notre institut, quand on créer un nouveau module. Par exemple, récemment, nous avons, ces dernières années, développé un nouveau système pour résoudre les équations numériques de la mécanique des fluides, un modèle numérique qu'on appelle Dynamico. Eh bien, avant même de l'appliquer de manière opérationnelle sur Terre, on le teste sur les autres planètes. Et ça nous a même permis d'aborder un des défis pour nous qui semblait inabordable il y a encore quelques années, c'est la simulation du climat sur les planètes géantes. Vous voyez les échelles, la Terre est toute petite. Sur Jupiter, vous avez cette énorme atmosphère, et malgré tout, les échelles à résoudre sont les mêmes que sur Terre. Elles tournent vite sur elles-mêmes, vous avez des tourbillons qui contrôlent complètement la circulation. Voici des images de la sonde Juno. Et il faut calculer ça, comprendre ce qui se passe, la physique des nuages et la dynamique.
Alors mes collègues dans mon laboratoire, Aymeric Spiga, Sandrine Gerlet, ont commencé à attaquer ça. Ils n'ont pas commencé par Jupiter, il y a une thèse en cours sur ce sujet. Ils ont commencé par Saturne, parce que nous avons beaucoup de données qui viennent de la mission Cassini. Alors Saturne, vous voyez, la dynamique a l'air un petit peu moins spectaculaire parce qu'elle est un peu cachée par des brumes organiques, à nouveau. Malgré tout, c'est très intéressant. Et donc, ils ont développé un modèle de l'atmosphère de Saturne en s'appuyant sur les nouveaux supercalculateurs dont on dispose. Là, je mentionnerai, pour ceux qui connaissent, des calculs qui ont été faits sur le supercalculateur Oxygène, qui est à Montpellier, 10 000 cœurs en parallèle, un système, un modèle très très bien scalé, pour ceux qui connaissent. Et on a pu ainsi, vous voyez la résolution, 1/8 degré, on fait un retour vers l'arrière, c'est basé sur une grille icosaédrique, pour ceux qui connaissent. Et enfin, on arrive à modéliser, alors imparfaitement pour l'instant, mais cette cascade d'énergie, de moments angulaires, qui permet d'aller de petites échelles qui vont cascader pour former les jets, former des choses asymétriques autour du pôle, un vortex au niveau du pôle, plein de détails que l'on observe dans la réalité. Donc voilà, j'ai fini mon tour. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci beaucoup. Donc c'est à suivre, hein, comme vous l'avez compris. Et je vous invite tous maintenant à prendre le verre de l'amitié, juste en dehors donc, de cette coupole où nous vous attendons les uns les autres pour vous féliciter et discuter avec vous, les lauréats et leurs familles. Merci encore.